Salut à tous, on se retrouve. On se retrouve sur My Ninja, donc le dernier épisode. Le dernier épisode de My Ninja, tout simplement parce que My Ninja, ça 5 minutes, c'est un peu répétitif, l'épisode sera pas très long. Je suis sur mon premier compte, donc qui est Darkace 4100, donc qui n'est pas mon vrai. Nom de mon vrai compte Facebook que vous n'aurez pas, que mes vrais amis, bien sûr vous êtes des amis, mais bref, je m'égare. Voici mon vrai personnage que j'ai depuis le début. Donc, je sais pas si c'est là, ça fait longtemps que j'ai pas. Non. Peut-être aller là. Voilà, donc ça c'est. Non, c'est toujours pas là. On va aller. On va aller où? On va aller où? Peut-être aller par là? Gear? Mi. Je suis toujours pas là. Bon bref. Me voici donc. J'ai les cheveux bleus, j'ai une tête normale. J'ai cette tenue qui a 70 de défense, qui fait plus de 8 critical dodge. J'ai cette amulette qui me rajoute de 9 à 15 spirit damage. J'ai cette stupid ring qui me rajoute 11 à 15 spirit damage. J'ai cette la gourde de Gaara, je sais pas si vous en souvenez, qui me rajoute 31 de défense plus 28 de dodge. Et mon marteau de Thor, le Rock Smasher, qui fait du 157 à 172 d'attaque, qui me rajoute du 37 d'accuracy, 37 de speed et 51 de critical. Donc c'est quand même une arme assez lourde. Voilà, donc j'ai choisi le type O aussi, bien sûr. Oui, c'est ça, j'ai pris le type O. Et pour vous montrer mes talents avec ce personnage, que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, je vais faire un petit combat. Ouais, on va choisir le level 24. La musique toujours aussi épique. On joue contre Nafri, qui a tout free. D'accord. C'est nul. Donc cette vidéo durera une dizaine de minutes. C'était juste pour vous annoncer la fin de My Ninja. Je suis désolé pour ceux qui adoraient cette série. Et on va peut-être baisser un poco le son. Parce que c'est pas. C'est pas parce que c'est énorme qu'on est obligé de. Boum. On fait quand même du 119. Hein. Lui il fait que du 10, le pauvre. Que je me rappelle. Ceci, ça doit faire mal normalement. Bon, pas tellement. Et on l'a déjà killé. Ah, la poune qu'on lui a mis, le pauvre. Donc voilà, donc c'est ça la technique du Kipo. Elle est surpuissante. Enfin, mon personnage le contrôle assez bien. Donc ensuite, si c'est des niveaux inférieurs à moi aussi, c'est un peu normal. On va en refaire hein, pour le fun. Donc ça c'est trop linéaire parce que déjà les missions c'est tout le temps les mêmes. Ok, il y a des boss, il y a les examens de Chunin. Peut-être, je dis bien peut-être que je ferai des bonus pour les examens. Genre pour l'examen Chunin, que je ne suis pas, oui, je suis que Genin. Pour l'examen Chunin, je le ferai peut-être. Ça pourrait être assez marrant. Me voir me faire un peu défoncer par les ordinateurs, parce que les ordinateurs sont quand même assez cheatés, faut l'avouer. Tu fais pas tellement mal toi, hein, c'est cool ça. On les éclate un peu les adversaires là, je vais pas dire, mais ils sont pas très très forts. Hein. Hop là. Donc voilà, donc c'est un peu trop linéaire, ça m'a un peu. Enfin, moi ça m'a pas saoulé, mais surtout pour vous que je. Cancel. Surtout pour vous que je me suis dit, ouais, on va peut-être arrêter, puisque ça sert un peu. 3600, peut-être un adversaire. Ouh, putain, il est fort lui. Hein. Donc les pouvoirs, c'est ce que je regarde.
Ah, peut-être faire lui. Donc voilà, je me suis dit peut-être que pour eux ça doit être un peu chiant de faire toujours la même chose. De toute façon, ça allait toujours être la même chose. Donc voilà. Donc je pense que pour les examens, Chunin, Jonin, voire Kage, parce que je ne sais qu'est-ce qu'il fout là lui. D'accord, bien sûr. C'est qui lui? D'accord. Novice, niveau 8. 415, ouais bien sûr. S'attaquer à lui. Hein. D'accord, il fait pas du tout mal. Non, je veux lui. Bon, lui, on va le finir au plus vite. Oula. Oh, il a pas l'air si fort que ça. Hein. D'accord, en fait, le gars, le niveau 8 ne sert à rien. Je pensais que c'était ça allait être un adversaire à ma hauteur. D'accord, j'ai miss en plus. Voilà, donc l'ange, puisque lui c'était plutôt un bouclier, mais bon ça servait à rien parce que je l'ai défoncé lui avant. Mais bon bref, cette technique c'est du Genjutsu si je me souviens bien, donc le Genjutsu aussi c'est une de mes particularités, d'accord elle fait pas du tout mal. Donc voilà, donc là, il y aura les épisodes pour Chunin, Jonin, et peut-être Anbu ou Johnny Expert, Jonin Expert, pardon excusez-moi. Je ne sais pas trop. Je verrai ça peut-être de temps en temps. Je ferai peut-être des vidéos un peu, ouais, un peu bonus en compagnie de Zogamist ou de certaines personnes qui voudront m'accompagner. Donc, pour l'instant, je suis en train de gérer là. Je me fais quelques personnes, on va dire. En plus, ils n'ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Donc c'est ça qui est cool. Du coup, voilà. J'enchaîne un peu là. Je trouve pas beaucoup d'adversaires à en pouvoir. Enfin, aussi, je m'attaque pas au plus fort. Quelques ralentis, ça c'est chiant. 3000. Bon, avant de tester lui, on va peut-être faire un autre. 3200 lui. Allez, on va faire lui et après on fait le niveau 4000 ou 5000, je sais plus. Alphanus, ah, un arc. Les archers, ils sont pas mal, mais ils font pas beaucoup de dégâts. Pas beaucoup de dégâts, tout simplement, avec leur arme. C'est pas que c'est nul, mais elle est pas très puissante. Ouais. C'est cool parce qu'il fait beaucoup de critical hit avec son marteau de Thor. Ouch. Sa technique, elle est pas mal. D'accord, je les touchote. Intéressant. Ça fait que 7 minutes, ça fait combien de victoires? 4 victoires d'affilée déjà. Énorme. Donc on a des rangs aussi, je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Avec ce personnage, je suis 10 736e. Et là, on va affronter un mec qui a 4100 et quelques de pouvoir, alors que moi j'ai 3800. C'est un peu du suicide, j'avoue, mais c'est pas grave, c'est pour le fun. Ça se trouve, c'est même pas un Genin, lui. Bah, niveau 27, si, hein. Je crois que déjà qu'il est plus rapide que moi. Déjà il a moins de points de vie. C'est ça qui est cool. Mais déjà il est plus rapide. Et j'ai miss. C'est comme s'il m'avait rien fait. Et je lui ai fait un critical. C'est parfait. Ouais, ça va, il fait pas trop mal non plus, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, sa technique, elle a l'air de faire. Off. Ah. Ah ouais. En fait, c'est surtout sur la rapidité qu'il a gagné là. Bon bah j'ai perdu un combat mais je vais reprendre ma revanche, ne vous inquiétez pas. On va essayer de le gagner, ça va être peut-être notre combat final, ouais une dizaine de minutes ça suffira pour un épisode final. J'ai une toute petite série en bah qui va se faire juste après celle-là. Petit indice, ça va être c'est un jeu dans un autre jeu. Je pense que certaines personnes vont comprendre, c'est M. Z dans M, pardon. Ouais, par contre là, j'ai pas le. C'est Z dans M. Ouais, là, il était trop rapide. Il aurait. Dommage, il aurait pu miss. Z dans M. Donc c'est le jeu Z qui est dans le jeu M. Je pense que déjà, ça a déjà tilté à certaines personnes. Je m'acharnerai sur cette personne. Donc voilà. Donc ça sera mon prochain let's play qui fera une dizaine d'épisodes, même pas. Je verrai, parce que c'est quand même assez compliqué hein, comme jeu. Faut pas dire, je l'ai déjà faite, elle est quand même assez complexe. Hein. Ah, une nouvelle attaque. Oh!
peut-être une chance de gagner là cette fois. Ouh, une micro. Non, c'est bon, c'est foutu. Chidori. Ouh, bah si. Ah bah voilà. On a GG. 9 points de vie. D'accord. Donc voilà. Donc, on va aller récolter ceci. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette mini-série. C'était pas sur le bon, j'ai cliqué. J'espère que cette série vous a quand même plu. Certaines personnes ont donné envie de jouer. C'est un jeu assez addictif, mais assez linéaire aussi. C'est ça qui est assez embêtant. Ah, l'armure d'eau. Donc voilà, c'est assez embêtant. C'est pour ça que j'y joue plus en ce moment. C'est pour ça que je décide de ne plus en faire. Voilà. J'ai quelques lags aussi, ça me saoule. Et on a gagné une quête. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était la quête. Hop là. Donc on va aller récupérer les objets qu'on a gagnés. Use on peut pas. Coins sac. Voilà. Et voilà. On va peut-être finir sur une upgrade. Je sais pas. Sur mon arme peut-être. Je sais pas, j'ai pas assez. Ouais, non. J'ai pas assez du tout. Bon, bref. Une vidéo assez courte, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à laisser je m'embrouille. À laisser un pouce bleu, à vous abonner, mon rêve, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.